Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au micro et aujourd'hui je vais vous présenter comment accéder au pack à punch, donc on va dire le construire pour pouvoir améliorer vos armes dans la nouvelle map Zetsubou Noshima du nouveau DLC Eclipse. Donc voilà. Donc en dessous vous pouvez voir machine à outils, c'est ce qu'il va vous falloir pour pouvoir accéder au pack à punch. Donc quand vous rentrez dans le bunker. Donc si vous avez pas, si vous savez pas comment allumer l'électricité tout ça, la KT4 ou le masque à gaz ou le bouclier, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait des précédentes vidéos pour vous montrer. Alors donc voilà. Pour débloquer le bac à punch qui est ici, il va falloir diminuer l'eau. Et pour ce faire, il faut une pièce, trois pièces supplémentaires requises. Donc c'est la machine à outils qu'on peut voir ici en bas. Un peu en plein milieu à droite de l'écran. Donc bah, la seule pièce que je n'ai pas, hein, et le crâne, ouais. Donc voilà. Donc il y a une pièce dans chaque endroit. Donc une pièce là et une pièce là. Donc vous voyez, devant chaque pièce manquante. Donc ici il manque la pression. Ici il manque la roue pour tourner, et ici il manque la truc pour souffler la vapeur, donc le truc là. Vous voyez, il manque une pièce à chaque. Donc moi il me faut la première pièce, on va faire dans l'ordre, hein. La première pièce c'est la roue, le truc rond qui devrait être ici, qui n'est pas là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans cette pièce-ci. Donc vous descendez tout en bas et vous allez à droite. Voilà. Et ici, faites attention parce que quand vous descendez, vous n'avez pas de l'air partout, hein. Donc ici, il y en a. Donc, pas de munitions. Ok. Donc là, il y en a. Bon, bien souvent, la pièce, elle se trouve ici. Donc ici. Ou alors, elle se trouve là. Ou alors quelque part d'autre, mais elle se trouve peut-être genre ici, quoi. Ici ou ici. Donc les deux emplacements. Je connais pas les trois emplacements, j'en connais que deux. Pour l'instant, elle n'apparaît qu'à deux endroits. Mais voilà, ça doit être dans l'eau. Donc vous faites le tour et vous pouvez pas la louper. Hein. Donc c'était soit ici, là. Ou soit ici. Et une autre pièce. Voilà. Sûrement ici. Ou peut-être ici. Peut-être ici, je sais pas. N'oubliez pas de reprendre votre souffle, hein. Donc pour monter, vous appuyez sur X, et pour descendre, c'est rond, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, donc je vous le dis. Tu vois, dans l'eau, là j'appuie sur X, je remonte, j'appuie sur rond, je descends. Vous voyez? Et après, avec l'analogue, vous avancez. Donc voilà. Première pièce, c'est fait. Donc on va. Ouais, le jeu il bug parfois. Je glissais pas forcément, mais il me faisait glisser tout seul. Donc, voilà. On va aller chercher la deuxième pièce. Donc. C'est le petit truc. Ah ouais, on va la mettre, hein. Je vais vous montrer. Regardez, hop. Donc là, la manivelle, elle est là maintenant. Et vous pouvez remarquer que l'eau a commencé déjà à diminuer. Donc là, on va aller chercher le petit truc là. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc ici, où est-ce qu'elle est encore? Ah ouais. Elle est juste. Vous voyez, quand vous ouvrez l'électricité, vous allumez l'électricité, il faut enlever une toile d'araignée qui se trouve bien souvent ici. Hein. Moi, je l'ai jamais vu à un autre endroit, donc voilà. Et quand vous avez fini ce rituel-là, bah, en fait, il y a une pièce qui apparaît. Et voilà, c'est la pièce manquante, donc il faut la récupérer. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'air et que vous ne trouvez pas de sortie, ces petites boules-là peuvent vous donner de l'air. Et vous n'avez pas spécialement besoin de munitions pour les faire péter. Vous allez tout près et ça pète tout seul. Donc voilà. Bon, pour ceux qui connaissent déjà toutes les petites astuces, désolé de me répéter, mais c'est pour les nouveaux, hein. Donc là, on va mettre la pièce, hop. Et vous pouvez voir que l'eau descend. Et la pièce, elle est mise. Donc maintenant, on va chercher la troisième et dernière pièce, qui est la pression. Un indice à pression. Donc là, ça va être un peu plus complexe parce que j'ai un zombie, donc il faut que je fasse attention. Vous voyez les cocons ici? Ceux-là, on sait rien faire avec, hein. Moi, j'ai déjà essayé. Ça ne fait rien du tout. Mais tous ceux qui sont là, donc celui-là,
Celui-là. 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 Et celui-là. Plus celui-là. Celui-là. Et celui-là. Tous ceux-là, ils sont cassables. Donc celui-là aussi. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Et celui-là aussi. Donc là, j'ai un gros balèze qui vient d'apparaître. Regardez, il est là. Donc ça m'arrange bien. Comme ça, je vais pouvoir tout casser. Donc vous foutez un coup de quête. Vous cassez tout. Je vais pouvoir tuer tous les zombies sans tuer le gros balèze et sans passer la manche. C'est parfait. Voilà. Ça ne vous donnera pas de points. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et tous les enlever. Hein. Je le fais parce que, parce que j'ai envie de tous les tuer. Donc voilà. En réalité, il faut maintenant, à chaque cocon que vous avez ouvert, eh ben en fait, il y a une pièce qui est tombée, vous voyez. Donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tous les cocons pour faire ce rituel. Enfin, pour avoir la pièce. Hein. Ça se tombe, vous allez ouvrir un cocon et ce sera directement le bon cocon. Donc voilà, on va mettre la pièce. Hein. Voilà. Et maintenant, on peut améliorer. Bon, vous pouvez améliorer vos armes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes les actualités, les nouveautés que je trouve ou que je découvre. Donc voilà, j'espère que vous vous abonnerez et qu'on se reverra. Donc à bientôt et bonne journée à vous. Ciao, ciao.